Donc on est sur Paper Trail. On a l'air d'être bloqué dans notre case. On va voir ce que le jeu nous propose. Paige, tu es réveillé, tu as entendu l'orage. On dirait que le phare a été frappé par la foudre. Et Jimmy n'est pas rentré la nuit dernière, il était parti pêcher des anguilles. Tu devrais traverser le pont à l'ouest pour voir comment il va. Ok. Hello, c'est moi, de l'autre côté de la rivière. Je suis venu pêcher des anguilles et je me suis retrouvé coincé. Tu veux bien aider un pauvre pêcheur épuisé à traverser. Comment ça? Comment ça je peux t'aider, connard? Utilisez R pour déplacer le curseur. Oh, d'accord. RT. Oh, ça a l'air très sympathique. Ok. Tu as réussi à passer, hein? Ça alors. T'as à peine eu le temps de dire ouf que le pont était réparé. La vie est mystérieuse, tu trouves pas? Que j'ai pu voir, l'orage a aussi atteint la forêt plus loin, à l'est. On devra peut-être aller rendre visite à ta tante, mode, non? Ok. Ok, ok, ok. Moi, je vais rester... Blablabla. Ah, parle pas trop, Jimmy. Ouais, ouais, on va chercher mode. Ok, donc si j'appuie sur B, je peux voir l'envers du décor. Allez, au revoir papa, au revoir maman. On se casse. Paige, je suis mécontente... Ah, je suis pas mécontente de te voir. J'ai passé la journée à manger des pommes de pin. Comment ça? Des pignons de pin. Est-ce que des pommes de... Ça se mange les pommes de pin? Dites-moi hein, si ça se mange. J'aurais appris quelque chose. L'orage a provoqué un glissement de terrain, je suis coincé, on dirait. Je dirais pas non à un petit coup de main. Eh ben écoute. Ok. C'est peut-être un jeu à plus jouer au clavier. On dirait bien que tu as réussi à passer au milieu des arbres. Je peux peut-être aussi atteindre le vieux phare au sud. Winslow, le gardien du phare, a construit un fossé pour rester tranquille. Personne ne l'a vu depuis des années. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un coup après cet orage, quand il était petit, Oscar avait toujours très peur du tonnerre. Et tes parents? Ne t'en fais pas, je passerai bientôt pour leur apporter du bois sec. Je sais que ta mère adore sa délicieuse gelée d'anguilles. Faut que je fasse quoi là? Que je me casse? Ça pour aller voir... Qu'est-ce qu'elle voulait que je foute en fait celle-là? Hallucinant ça, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah d'accord, c'est un pont. Un ponton. Ok, et là, on va plier dans ce sens. Ok, donc c'est des petits puzzles vraiment à base de je plie, je déplie. Gamine, par ici. Depuis combien de temps je suis sur ce rocher? 5 semaines, 2 jours, qui sait? Aide-moi à réparer cette lumière et je te dirai comment accéder à la grotte. Ouh, diagonale. Ah, mais là, je bloque, moi. Je casse les couilles. On va plutôt là, voilà. On est sur Origami The Game. Est-ce qu'on peut biplier? Waouh, ok, on peut biplier. Ok, bon, ça a l'air cool hein, quand même. Hein. T'as réussi, beau boulot, gamine. Ça tiendra ce satané pêcheur à bonne distance. Alors, pour la grotte au nord, on dirait que les pierres ont une espèce de signification. Peut-être une forme, je suis pas sûr. Tout ce que j'ai. Bonne chance. T'es un connard. C'est un peu de la merde, hein.
Allez, remets-toi normalement. Et on se casse au nord. Alors, voir de l'autre côté, ouais. De l'autre côté, il y a ça. C'est bien beau ces conneries, mais... Voilà quoi. Ok. Alors attendez, on va se mettre au centre, vous allez voir. Tout va bien se passer. Ou pas. Si. Ok, bah j'aime bien le principe du jeu. C'est assez reposant. Eh petite, t'es perdue? Moi aussi petite, moi aussi. Les étranges pierres numérotées semblent être des pièces manquantes. Impossible de sortir de là à cause d'elle. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, il y a de la bonne douille là. Est-ce qu'on peut pas biplier comme ça, pas à ce point? On va quand même le mettre là, je pense. On peut pas? On peut pas. Alors que là, c'est pas trop mal, voilà. Waouh, ok. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est très bien même. Je pense à regarder à l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Écoutez, c'est pas mal ça non plus. Voilà. Hop. Les petits potes. Peut-être pas à ce point. Quoique, bah si. Non, ça marche pas là. Peut-être que ça... Non, ça marche... Ah, peut-être... Non. Non, ça marche pas. Juste ça? Non. Peut-être ceci? Non. Il faut un autre 2. Attendez, on va y arriver, on va y arriver. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Hop, et voilà. J'aime beaucoup le principe, hein. Encore toi, je suis tombé de la falaise, je suis arrivé ici. Tombé aussi, on est tous les deux coincés maintenant. Sauf que non, moi je suis pas un sac à merde, mon petit pote. Comment c'est foutu? Est-ce qu'on peut plier des trucs quand on n'est pas sur la feuille? Non, on peut pas. On est obligé d'y être pour plier du bordel.
Ouais, sauf que le problème là. Un peu un vieux con, toi. Attendez. Là, je peux pas faire ça. Faut absolument que les dominos soient reliés, hein. On est d'accord, ok. On appelle ça des dominos. On est plutôt sur des dés, en fait, hein. On est beaucoup plus sur des dés que sur des dominos, effectivement. Oh, reste là, s'il te plaît, reste là. Ouais, hein. On est là. Compliqué, compliqué, complicado. Je suis sûr c'est tout con. Comme d'hab, c'est tout le temps tout con. Non, ça on l'a déjà tenté. Ça on a déjà tenté, on va tenter autre chose. Ça, ça marche pas. Ça, ça marche. En même temps, ça sert à rien. On va checker un peu derrière, mais... Ah oui, non, mais non, mais y a un truc à faire avec les foutus... Je pense qu'il y a un truc à faire comme ça. Hein. Voilà. Ok. Je m'en fous du vieux, en fait. On a rien à foutre du vieux. Moi, ça me va. Hein. Moi, honnêtement, ça me va. Mais j'ai l'impression qu'il faut parler au vieux. J'ai vraiment l'impression qu'il faut parler au vieux. Bien que si j'attrape ça comme ça là. Regarde-moi ça là, non. Je peux aller sur le 1? Non, je peux pas aller sur le 1. Si je remonte ça, non. Si je remonte ça non plus. Et ça non plus. Mais si je fais ceci. Ah ah! Là, on peut aller chercher un truc. Et on peut ouvrir la porte. Porte qui sert à... Activer ça. Bravo à moi. Une sortie enfin. Combien de temps je suis parti? La lune, blablabla, trop dangereux. Proposons-nous un peu. On te la voit demain matin. En tout cas, c'est très joli, c'est très mignon. Salut, c'est qui? Un peu de dessin art naïf? Ouais, non, je sais pas. Non. Attraper les grenouilles avec nous, ce genre attraper les grenouilles, blablabla. Alors, vas-tu faire? Il suffit d'aller après Raid l'Est. Il te faudra un bateau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais allez vous faire foutre. Pourquoi vous me cassez les couilles là? En enfoiré. Comme ça? Ouais, moi je veux bien, mais ça marche pas quoi. Moi je veux bien, mais ça ne marche pas.
Mais alors que là, par exemple, là ça marche. Et là, je peux ne rien faire en fait. C'est parfait. Alors que là. Alors que là, voilà. Allez, on va dans la maison là. Maison de la sorcière, sans doute. On sait rien. Aucune idée. Bon, on veut aller où? On veut aller de l'autre côté. Comment on peut aller de l'autre côté? Je pense que c'est un jeu où on peut rester facilement bloqué, hein. Ah. Il faut aller en haut, du coup. Il faut arriver à aller en haut. Avant d'arriver à aller là-bas. Non. Ça ne marche pas. En tout cas, niveau conception, ça devait être un enfer à concevoir. En tout cas, de l'idée que je m'en fais. Dites-vous que si vous, vous réalisez les puzzles des jeux, hein, il y a des gens qui les ont créés. On réfléchit un peu à ça, ça. Voilà, on se rend compte de. Ah ouais, quand même. Bon, et toi là? Ah ben voilà, non mais il y a juste ça à faire, c'est bon. À moins que ce soit quand même mieux comme ça, voilà. Ce sera pas mal. Hop, voilà. Et à présent, on peut faire ça. On peut courir? Non, on peut pas. On continue. Je pense qu'il faut apporter un numéro 1. Ah non, faut pas apporter un numéro 1. Il y a juste besoin de. Voilà. Est-ce que. Si je bouge ça. Non, ça ne change pas. De l'autre côté, on est d'accord. Hein. Ben voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... Non. Il y a juste ça à faire. Attendez. Et ouais, ça marche pas tout seul. Ça ne marche pas tout seul. Attendez, j'ai la voix qui part en sucette. Ça devrait être mieux. Ça l'est pas. Spoiler, ça ne l'est pas du tout. On va essayer de faire avec quand même, hein. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Sauf à arrêter de m'écouter. Ça peut être un très bon choix de votre part. Qu'est-ce qu'on a dit? Il faut mettre ça ici. Voilà. Ici, il suffit de mettre ça. Et c'est bon. Ok. Mais c'est plutôt agréable comme jeu, hein. Et la terreur, grenouille, t'as trouvé un bateau, madame. Impossible, on a le seul bateau. Je sais bien. On n'a pas de toute façon. T'es coincé maintenant. Impossible de passer. Il suffit de les tuer en fait. Les pierres bougent pas quand on reste dessus. Et nous, on avance facilement avec notre bateau. Haha. Il suffit de tuer les gosses et de prendre leur bateau. Enfin, quand on dit gosses, on parle plutôt de petits cons dans ces cas-là. Petite merde. On est bien là. Non? Ah merde, la pierre, j'avais pas vu. Ah ouais, mais du coup, c'est la baise. Attendez, hop. Reviens là, pierre.
Ok. J'ai bugué, hein. Mais c'est bon. Ah, ça devient compliqué. Je pense qu'on va arriver au bateau. On se laissera là-bas. Hein. Il nous faut la clé. En premier lieu. Donc... Comment ça? Ouais, ah oui, ok, c'est bon. Je l'ai. J'aurais dû, je devrais jouer à la souris, ce serait beaucoup moins chiant que qu'à la manette en fait. Je suis en train de me rendre compte. Ça a l'air beaucoup mieux. Par contre, comment on déplace? Je sais pas comment on déplace le personnage, donc c'est pas grave. On va jouer. On va continuer à la manette. Est-ce que si je suis dessus... Non. On peut bouger que s'il y a personne. C'est ce que m'ont dit les deux petits cons tout à l'heure. Ouais, pas ouf. En vrai, pas ouf. Sauf si, voilà. Sauf si je fais ça. Mais du coup, c'est pas ouf non plus. Bon. On veut aller là-bas, mais je sais pas comment aller là-bas. Ok, ça me paraît pas mal ça, comme méthode. C'est pas foufou à la manette, hein. D'accord, que ça marche pas là, voilà, hop. Là ça marche. Toi tu descends. Non, le concept est sympa, hein. Vraiment l'idée est cool. Je trouve ça très 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 agréable. C'est très la détente, bien sûr, mais... Non, mais il n'y a aucune logique à plier l'eau, en fait, si on veut aller en bas. Ah ben voilà. Non, mais c'est bon. Et voilà. Et on va attraper notre bateau avec les deux petits cons. Ouah, il n'y a pas de grenouille ici. T'avais pourtant dit que il y en a encore. Peut-être que la dame a fait peur. Ouais, je suis sûr que c'est ta faute. Bon, t'as eu de la chance avec ton bateau. Alors utilise-le bien et laisse-nous attraper des grenouilles. Bon, on va prendre le bateau et on va se laisser là, je pense. Ah. Bonjour là-bas. Qu'est-ce qui vous amène ici? Faites attention à rien toucher. Je fais des fois des fouilles sur les sites. Les fondations sont vraiment étranges. N'importe quoi, essayez de faire attention. Bon, écoutez, on va se laisser là. Je trouve ça très très sympa sur, comme jeu. Ça va aller sur ma wishlist directement. C'est assez détente. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Okami, même s'il y a assez peu de... de points communs entre ces jeux, mais voilà. On va se laisser... Toi, si je te plie, ça fait quoi? Toi, tu disparais, hein. Parfait. On va se laisser là, c'était Paper Trail, et c'était très sympa, vraiment très sympa. N'hésitez pas à wishlist le jeu, vous également.